Donc, Péréal, nous fabriquons donc des matériaux pour l'enveloppe du bâtiment. Et plus particulièrement, en ce qui concerne le site de Roumazières-Loubert, donc en Charente-Limousine, nous fabriquons donc des tuiles et des accessoires de toiture en terre cuite. Chaque année, le pôle cuisson de Péréal accueille donc une dizaine d'alternants. Et parmi cette dizaine d'alternants, donc un tiers sont recrutés donc pour intégrer les filières de maintenance et d'usinage. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va travailler avec le pôle formation. La valeur ajoutée du pôle formation, c'est sa connaissance d'une part du monde industriel, ce qui est primordial finalement pour comprendre nos besoins, nos attentes vis-à-vis des jeunes que nous allons recruter. Donc, un intérêt également à travailler donc avec le pôle formation, c'est finalement le fait que ce soit l'organisme du secteur industriel et donc du coup les parcours de formation sont totalement adaptés finalement à nos besoins et à nos contextes. La rentrée donc se passe donc début septembre et du coup va suivre donc un parcours d'intégration qui va commencer par finalement une visite de l'entreprise. On a un site quand même qui est très vaste, avec une diversité de métiers et d'activités. Et derrière, le jeune va être donc intégré au sein du service. On va lui présenter le fonctionnement, les missions qui vont lui être confiées, ses collègues également, mais aussi ses clients internes s'il travaille avec d'autres services. Le rôle du tuteur, donc, c'est d'accompagner le jeune donc dans l'apprentissage donc de ses missions, de la fonction. Il va également l'envoyer avec d'autres collaborateurs pour partager aussi son quotidien. Il va le suivre aussi dans toute sa montée en compétences puisque l'idée c'est d'y aller aussi progressivement puisque quand les jeunes démarrent, ils sont là donc, pour apprendre un métier, donc ça faut bien en être conscient. Et donc du coup derrière nous ça nous permet à la fois aussi de transmettre finalement un savoir-faire et derrière de pouvoir potentiellement recruter nos futurs collaborateurs. Donc ça peut être soit directement issu de l'alternance, soit un peu plus tard et donc du coup on garde le lien avec l'alternant.